mais c'est habillé bonsoir. C'est okay. Sûr que je suis habillée. Là, c'est comme si j'étais à la croix des Bossa. Regardez bien pour voir. Regardez. Je suis en train de voir. Ouais. À la croix des Bossa de chez nous. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui diffère. Donc, vraiment, vraiment, c'est la copie d'Haïti. Au Daromé, là, que je suis en train de jouer. Voici le marché qui est en place. C'est le plus grand marché. Il y a à Cotonou, Bénin, parce que je suis dans la capitale du Bénin. Voilà. Comme vous voyez, les paysans, tous ceux qui sont là, donc, RPTV, pour mes téléspectateurs, franchement, c'est bon à voir, c'est bon à visiter, c'est bon de savoir. C'est toujours sur les pas de nos ancêtres. Donc, les Béninois, ce sont nos cousins, ce sont nos familles. Donc, on retrouve sa famille. Je suis pas côté de Haïti. C'est comme si j'avais Haïti devant moi, avec moi là, et de très belles dames qui vendent leurs produits. Donc voilà. Ça c'est le marché du Bénin. Bonsoir, bonsoir. Ici là, ce sont les marchands de tissus. Comme je viens de vous dire, on est vraiment à Croix des Beaux-Salles d'Haïti. Et c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on peut voir. Et même les ordures, c'est pareil comme chez nous. C'est pas croyable. La circulation, tout et tout. Donc, bienvenue en Haïti-Bénin. C'est Haïti-Bénin que nous avons devant nous. Merci. Présentement encore, c'est toujours ça, continue sur les pas de nos ancêtres. Nous sommes prêtement en RPTV, j'ai beaucoup de choses pour vous. Je ne sais pas combien de semaines ça prendrait pour que je parle de mon pèlerinage en Afrique sur les pas de nos ancêtres. Donc, nous sommes présentement sur un site, une place qui serait dédiée aux Haïtiens que... Les Haïtiens sont là et le roi Haïzon est là aussi qui a fait le don de ce parcelle, pour que les Haïtiens sachent qu'ils sont chez eux, qu'ils peuvent venir chez eux. Ils ont aussi la terre ici. Donc, je pense que c'est un moment très important. On attend pour voir ce qui va se dérouler. Donc, il y a aussi, je dois vous dire, une équipe. Les Haïtiennes qui sont là aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer sur ma route.